Salut tout le monde, c'est Dos, c'est parti pour Funderay épisode 16, et avant que la vidéo ne commence, je tenais à attirer votre attention sur le t-shirt que je porte actuellement. Donc voilà comment ça rend, je suis super content de l'avoir enfin. Je vous confirme qu'il sera en vente sur le site onegeekwenshirt.fr pendant non pas 24 heures mais 48 heures le 29 et 30 octobre. Donc notez-le bien, il y a toutes les tailles, c'est facile à comprendre, au pire vous demandez à une grande personne de vous aider. Et nous en attendant, on va commencer cette vidéo, c'est parti, let's go! Allez, on est parti. D'abord regarder le t-shirt du jour d'Ayano. Mama ce style! Donc, premier défi, essaye de donner la bague de Sakyubasu à celui qui est amoureux de Kokona, donc Riku Soma. Est-ce que tu pourras? C'est une très bonne question, on va tester ça tout de suite, c'est parti. D'abord, on va pas se faire chier, on va devenir l'ami de Kokona et de Riku. Je vais me donner des pantichotes. Je vais récupérer le micro-casque, au moins comme ça sera fait. Parce que je sens qu'on en aura besoin après. Voilà, pick-up, go to class, biologie, lunchtime. On va sur le toit et on attend les sisters Basu. Ah, la voilà. Sakyu, elle s'assoit, elle enlève sa bague. Elle la pose, sa super bague de succube. Nous on la récupère. Maintenant il s'agit de trouver Riku. Où est-il ce fourbe? Senpai, t'as pas vu Riku? Où est-ce qu'il s'est caché? Ah oui, je sais, il est sûrement ici. Non, même pas. Ça c'est étrange. Bon, Saki et Kokona sont sur le toit en train de discuter. Il est quand même pas allé les espionner jusque là-bas. Ah, Saki est là, Kokona est même pas venu. Intruding? Mais t'es avec personne. Y'a un bug ou quoi? Où sont Kokona et Riku? Y'a un sérieux souci. Where's my ring? It was right here a moment ago. Oh dear. Oh, j'avais jamais vu ça. Bon, c'est l'heure de la classe, on va voir si Kokona retourne dans sa salle. Mais Riku a disparu, sans déconner. L'heure de la classe a sonné, tout le monde est rentré, même Senpai. Ah, Riku est là, et Kokona, elle est où? Mais elle sèche les cours ou comment ça se passe? Place ring. Non, je vais pas faire ça. Même Musume sèche pas les cours. Elle est où? Ah ben enfin! Sans déconner, mais t'étais où, Kokona? Elle est méga en retard. Du coup, je vais me faire engueuler à cause d'elle. Toi avec tes jumelles, là. Allez, on fonce dans la salle de Kokona. Ok, Riku est là. Tiens, ah merde, je l'ai pas pris en photo. Oh shit, bouge pas d'ici. Elle est où? Elle est déjà partie. Non! Saki est là. Où est Kokona? Elle est incroyable. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites? What the fuck? Il y a un sérieux souci avec ce jeu. Qui what the... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais voir au Cooking Club, voir s'il y a Kokona. Non, il y a personne. Je vous assure que Kokona, ce personnage, je ne le comprends pas. Elle est invisible. Riku, il est là. C'est cool. Ok. Ah, maintenant, elle est là. J'ai juste eu le temps de faire un tour. Oh, je comprends rien. Voilà, photo. Salut, Riku. Tu es amoureux de Kokona? N'est-ce pas? Oui. Ah, je peux pas lui donner de cadeau. Pourtant, j'ai l'anneau sur moi et ça ne marche pas. Je vais voir si avec la fleur ça marche. Ouais, avec la fleur ça marche. Mais du coup, non, on ne peut pas lui donner l'anneau en tant que cadeau pour Kokona. Ça ne se ferait pas trop. Mais bon, voilà, c'était une bonne question. On passe au défi suivant. Si tu restes hors du lycée quand la prof de sport part, est-ce que le grillage restera ouvert? Bonne question, c'est vrai qu'avant, on commençait directement ici et donc sans glitch, on ne pouvait pas sortir. Donc c'était normal que le grillage se ferme. Mais maintenant, est-ce que la prof ferme le grillage alors qu'on est encore dehors? Eh ben, on va le savoir très vite. On va passer le temps. Oula, oula. Par contre, je vais profiter des nouveaux trucs pour enlever les ombres. Voilà, j'en peux plus. Mon ordi n'en pouvait plus non plus. Allez, c'est parti. Alors attention, il est 59. 8 heures, elle a toujours pas fermé. Ah, elle s'est barrée et le grillage ne s'est pas fermé. Donc apparemment, le grillage reste ouvert parce que quand la prof de sport part, le grillage se ferme, mais là pourtant elle est partie, le grillage est resté ouvert, donc oui, si on est hors du lycée quand la prof de sport s'en va, le grillage reste bel et bien ouvert. On va voir ce qui se passe si je rentre. Il se referme pas. Étrange. Là c'est fermé. Wow, elle repart encore. Mais d'où elle sortait? C'est quoi ce bug? Je l'ai même pas vu revenir. Attends, que s'est-il passé? Là je rentre, je refais exactement ce que j'ai fait, je suis allé là, puis je suis ressorti, puis je suis allé là, et là il y avait la prof de sport. Si j'accélère, ça donne quoi? Oh, ah si, ça s'est fermé. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais le grillage a fini par se fermer. La prof de sport est partie deux fois. On l'a vu partir une première fois, puis elle s'est retéléportée, elle est repartie. Et en fait, c'est à 30 que le grillage se ferme. Et là, je ne peux pas rentrer. Je suis... Oh si, je peux... Ok, d'accord. Et du coup, là, cette fois-ci, je peux passer par là. C'est vraiment très étrange. Un coup, on peut passer par là. Un coup, on peut passer par là. Dans tous les cas, on n'est pas pris au piège. Je veux néanmoins vérifier un truc. On va recommencer. Voilà, je vais attendre jusqu'à 8h19 à l'intérieur de l'école. Ah, la prof est partie. Elle est partie un poil plus tôt cette fois-ci. C'est bizarre. Je vais me mettre en plein sur la porte. Ça va bientôt être 30. On va voir ce qui se passe si on est en plein sur la porte. Oh, d'accord. Alors, je suis dans la porte. La prof s'est re-téléportée ici. Donc, c'est bien ce que j'avais vu. Et là, je peux choisir rentrer ou sortir. J'ai choisi de sortir et je ne peux plus repasser par là, mais je peux passer par là, donc voilà. Je ne sais pas si finalement ça répond à ta question, mais j'ai fait un petit peu tout ce qui était possible. On passe à la suivante.
Hello? Met un cadavre sur le lieu du rendez-vous, Fontaine Est, fait en sorte que Kokona et Riku aillent au rendez-vous. Est-ce qu'ils vont réagir au cadavre ou marcher dessus? On va voir ça tout de suite. Donc déjà, on va parler à Riku. On va lui dire, mec, mets-toi des slick hair, un piercing et des lunettes. Tu vas faire un malheur. Maintenant, on recommence la partie. Voilà, le beau gosse arrive. On prend des fleurs. Follow me. On étudie. 6 fois 2? 12. Bien. Maintenant, arrête de me follow. Je vais booster mon charisme. Salut, Haruto. Veux-tu bien me follow? Oui, Ayano. Très bien. Alors là, le souci, c'est qu'il faut pas que la prof de sport nous voit. Donc, je vais prendre le tournevis. D'ici, je pense qu'elle nous verra pas. Bim, on attaque. Voilà, super. Je vais le traîner un peu plus vers là. Voilà. Je vais me laver. La 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 la. Me changer. Jeter les saletés. Et tout brûler. Ah, Kokona a son appel. Merde. On peut la traverser pendant qu'elle téléphone. Ah, sauf ici. Il n'y a plus besoin de se cacher. C'est bizarre. Allez, follow me. J'ai envie qu'ils arrivent en même temps au rendez-vous. Donc, vu qu'ils vont passer par là, on va faire partir Kokona d'ici. Va faire la cour. Vite, Riku. Va faire la cour. Ok, ils partent en même temps, super. Pour la première fois, Riku va avoir un petit peu d'avance. Comment vont-ils réagir au cadavre? Vous le saurez au prochain épisode. On donne le cas. Attention, attention. Oh shit. Kokona a mis un peu moins de temps à le voir. Ah si, elle s'est arrêtée. Ah, elle suivait Riku. D'accord. C'est ça leur champ de vision? Genre là, ça marche pas. Là, oui. Ok, donc non, l'amour ne les rend pas aveugles à ce point. Ils ne vont pas marcher sur le cadavre. Ils vont bel et bien s'arrêter, reporter la drague, paniquer et même être carrément choqués. On passe à la question suivante. I can shake my Fanny, I can shake my can. Si Riku et Kokona sortent ensemble, est-ce que son crush à Kokona sera transformé en Riku ou est-ce que ça restera Senpai? C'est une bonne question, une question simple, mais qui nécessite un truc super long et compliqué, c'est-à-dire mettre ces deux-là ensemble. Du coup, c'est parti, on va les mettre ensemble, let's go! Finish. Alors, je sais pas quelle est cette embrouille, mais j'ai un multiplicateur x10, donc il m'a suffi de 2 jours pour tout réussir. Vous avez vu à quel point c'est allé vite. Je ne sais pas ce que j'ai fait, si j'ai peut-être activé quelque chose ou je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pourquoi j'ai un multiplicateur qui est par 10. Je n'ai pas compris, mais c'est plutôt cool. Donc, nous, on va se rendre à vendredi. Hop, classe, biologie, classe, biologie. On va patienter jusqu'à 5h15. On attend qu'il ait beau ce t-shirt. Voilà, on y est, on va descendre. Kokona est là. Là-bas. Bonjour madame, qu'est-ce qu'ils ont fait à ces lunettes, la pauvre? Là ça va, mais de loin c'est horrible. Allez Kokona, Riku qui est là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de faire ça alors que ça zoome pas du tout. C'est plus facile de voir comme ça que comme ça. Bref, on accélère un poil. Oh maintenant, Yandere Vision, ça enlève le cel shading. Ou alors il est tout petit. Quoi qu'il en soit, je vais l'enlever. J'ai encore jamais vu la scène de la confession, voilà, en mode PS2. C'est un autre jeu, sans déconner, c'est un autre jeu. Allez, il nous fait un tour de l'école. Avant, il y allait directement. Je sais pas pourquoi maintenant, il veut faire un tour de l'école. Hop, allez, on avance, on fait le con. Hop, on fait demi-tour. On y va, on vérifie le casier. Hop, il y a une lettre. On court, voilà. D'ailleurs, j'ai fait plein de tests avec cette scène de confession dans un bug d'Eré qui sortira prochainement. Ça sera le bug d'Eré, je crois, 10. Oh, That Ring. Je crois que ce sera le bug d'Eré 10. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir plein de tests qui peuvent faire bugger cette scène de la confession, n'hésitez pas à aller voir ce bug deck quand il sortira. Nous, on en est là. Je peux pas parler maintenant. On va s'éloigner un petit peu. Hop, et voilà. Kokona rencontre Riku sous le cerisier. Elle confesse son amour, bla bla bla, on connaît déjà tout. Embrassez-vous. Wouh. Ça va, c'est stylé. Et voilà. Maintenant, si je la prends en photo, tac, send. Crush senpai. Oh. On va lui laisser le bénéfice du doute. On va recommencer la partie. Là, ils arrivent clairement en couple, main dans la main. Hop, on la prend en photo. On envoie crush senpai. Oh, la bitch. La bitch. Donc non, son crush ne change pas. Ce n'est toujours pas Riku, c'est toujours senpai. Elle mérite un petit coup de tournevis, moi, je pense. On passe à la question suivante.
Hey, j'ai une question, est-ce qu'on peut toujours sortir de l'école en ayant démembré Senpai? Maintenant qu'il y a des grésiments, on essaye de sortir de l'école. Tu ne seras pas choisi car tu n'as pas mis de hashtag Fundere. C'est vrai, mais grâce à toi, elle a été choisie parce que ton commentaire, j'ai pu le retrouver, et du coup, j'ai retrouvé la réponse qui était associée. Donc merci à toi aussi. C'est une très bonne question, on va tester ça. Hop, on est à la cabane, c'est marrant parce que les armes ont encore les contours, mais pas nous. C'est comme si on n'était pas fait pour ce jeu. C'est très bizarre. On récupère la scie circulaire. On va se mettre en mode Ebola-chan. Oh, même la coiffure d'Ebola-chan a les contours alors que son corps pas du tout. C'est un certain style mine de rien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Senpai bouge de là. Nous, faut qu'on fasse attention à toucher personne, à part toi, bien entendu. Rivaru-chan! Je vais récupérer ma scie. Ok, il y a du mouvement. Vas-y, Senpai. Ah, on m'a vu avec la scie. Ah, je dois toucher personne. Ok, Senpai est là. Ouh, j'ai failli rentrer dans cheveux bleus. Ça va être très très chaud. Ah, y'a Riku. Ah! Loupé. Là maintenant. Non! Ah! Oh merde. Merde. Ok. Ok, bon. J'ai fait un peu un massacre. Mais est-ce que c'est bon? Ah non! Allez, glisse! Glisse un peu, Senpai, un tout petit peu plus! Un tout petit peu plus! Oui! Oui! Il a glissé! Super! On le démembre. Ouah, c'est stylé! Ok, super! Non, je peux plus bouger! Non! Non! Pourquoi? Ah, je peux y aller en marchant! Je peux juste pas courir! On va y aller en marchant, c'est pas grave! Je peux pas accélérer le jeu! Tant pis! On y va comme ça! Oh, ça va être long! Allez! Plus vite! On y est presque! Allez! No, I must not! Je m'en fous, j'y vais quand même! Si je regarde dans mon téléphone. Oh, j'ai l'impression que je suis sorti. I must not. Ouais, je me tourne. Et ouais, j'ai carrément pu sortir. Mais on n'y voit rien. Voilà, je suis dehors. Je suis complètement dehors. Donc oui, on peut encore sortir de l'école en démembrant Senpai. Par contre, on n'y voit rien du tout. Là, j'ai dû poser mon téléphone pour y voir quelque chose. On va voir si je tombe. Ouais, ça continue comme ça. Je déplace la caméra. Merde, je suis tombé ou quoi? Ah, je suis complètement tombé, d'accord. Donc voilà, on peut toujours sortir, mais c'est moins marrant parce qu'on n'y voit rien du tout. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ça fait 5 défis, mais je vous en propose un petit bonus auquel j'ai pensé. C'est parti. Alors, je vais d'abord remettre les contours, voilà, parce que je préfère. Vous avez vu dans la vidéo d'Yandere Dev, qui présentait cette nouvelle mise à jour, il y avait quelques easter eggs, et notamment un dans la vidéo, on voyait la fun girl à peu près 6 minutes de vidéo, et je me suis dit tout de suite que c'était un easter egg de la vidéo. Mais si ça se trouve, elle est réellement dans le jeu. Vu que son modèle 3D a été fait, et que le développeur a clairement filmé le jeu, c'était qu'il l'avait mis dans le jeu, mais je n'ai pas pensé que ça pouvait être vrai, parce que on ne la voit pas. Mais si ça se trouve, si on met les mêmes réglages que lui, et qu'on va au même endroit, elle pourrait apparaître. Donc je vais regarder la vidéo une deuxième fois, essayer de voir à peu près quel réglage il a mis, mettre les mêmes, aller au même endroit et on verra si la fun girl était juste dans la vidéo ou si elle est bel et bien dans le jeu. Ça serait assez ouf. C'est parti. Ok, donc il est juste au pied de l'arbre. Il a clairement mis le brouillard. Voilà, là il y a du brouillard. Mais il a aussi mis une distance d'affichage complètement minimale. Voilà, donc on va essayer d'aller au même endroit et voir si la fun girl est bel et bien là. Ça serait ouf. Alors là il y a les délinquants. Ok, je pense que l'arbre est par là-bas. J'espère qu'elle va pas me faire sursauter si elle est là. Putain, je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Alors, c'est là? Est-ce qu'elle est là? Oh, putain. Ah, j'ai un stress. Non? Ah, merde. Bon, on va essayer de faire le même chemin que lui. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Si c'était juste un easter egg de vidéo. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé à ça. Il marchait comme ça et la fun girl est apparue sur le côté. Alors, comment il faisait? Est-ce qu'elle est de l'autre côté, peut-être? Je ne sais pas. Ah, ça serait trop bien. Ah, non. Non. Ah, je suis dégoûté. J'étais persuadé qu'elle pourrait apparaître. Ah, là, 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 là. Il était bien là, pourtant. Ah, je pensais qu'en faisant ça, on pourrait invoquer la fun girl. Ben, visiblement, non. Oh putain, ça m'a fait flipper ça, le Dat Ring. Ok, d'accord. Je vais quand même tester différemment. Je crois qu'il a mis un peu moins. On va mettre 20. Mais en attendant, on va remettre 350. Je crois qu'il commence de là et qu'il va tout droit. Mais il a aussi mis un autre truc. Il a mis T pour avoir la caméra comme ça. Oh shit. Donc on va mettre 20. On partira de la porte et on ira tout droit. Mais on va recommencer. Au cas où, il faudrait la charger. Est-ce qu'on va réussir à invoquer la fun girl? Ça serait un truc de ouf. On passe par l'intérieur. Voilà. Et on va tout droit. On va tout droit. On va tout droit. On va tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Droit, tout droit, tout droit. Ah, elle est pas là. Je vais tester une dernière fois en remettant à 10. Si ça se trouve, c'est une ombre. On va remettre les ombres. On va enlever le bloom. On remet la caméra comme ça et c'est parti. Non, on recharge. Je veux prendre aucun risque. Hop, voilà. Là, si là, j'arrive pas à invoquer la fun girl, c'est que je pense qu'elle y est pas. Mais si elle y est, là, ça devrait être bon. Allez, on est chaud. On ouvre. Et on va tout droit. Tout droit. On court, on court, on court, on court, on court. Ah,
Ah non, non, elle y est pas. Ah, je suis deg. Oui, cette alliance. Ah là, je suis complètement deg. Je vais faire le tour de la colline, on sait jamais, mais je pense pas. Non, ah, c'est dommage. Bon, bah tout ce que j'ai réussi à invoquer, c'est quelques petits frissons quand j'ai cru que ça allait arriver. Mais voilà, c'est dommage, j'aurais bien aimé un petit easter egg comme ça, un truc bien caché, au sein même du jeu, ça aurait été cool. Mais voilà, j'espère que ces 6 petits défis vous ont plu, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, t-shirt en vente pendant 48 heures le 29 et 30 octobre sur le site wendycoinshirt.fr. Donc n'hésitez pas, allez, ciao! Et si je me débarrassais moi-même des envahisseurs, adjectif mort! Adjectif mort! Voilà, c'est pas bon! Ah non, ils sont quand même là! Mort! Mort!